Fans de France et de Navarre, réjouissez-vous, Johnny est de retour. Il va immédiatement entreprendre sa tournée sur les plages, en France et en Espagne, et puis il va tourner un film. Mais Johnny, les pays de l'Est, c'était comment? Ah, écoutez, j'aurais tellement de choses à vous raconter là-dessus qu'on pourrait y passer 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Une impression choc. Ce qui m'a plu en Grèce, d'abord, parlant de plus des choses agréables, c'est le public. D'autant plus que le public à l'Est n'a jamais vu, pour ainsi dire, des spectacles de rock'n'roll de temps. Et ça, pour nous, c'était un peu comme il y a à peu près 6-7 ans en France. Le public réagissait à peu près pareil qu'il y a 6-7 ans en France. Étant donné qu'ils n'ont jamais vu de rock, public, ce genre de public qui. Enfin, surtout des jeunes qui se roulaient par terre, en fait, qui. Donc on peut dire que vous avez retrouvé le public parisien d'il y a 7 ans C'est à peu près ça, oui. Est-ce qu'on porte des cheveux longs là-bas? Il y en a pas mal qui portent des cheveux longs, oui. Il y a des idoles là-bas Moi je les connais pas en tout cas. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Après les tours de chant, qu'est-ce que vous faisiez? Après les tours de chant, ouais. Rien, parce que vous savez, là-bas tout ferme à 11h du soir, alors il n'y a plus qu'à aller dîner, aller se coucher. Dans quelle ville ça a le mieux marché? Où ça a mieux marché, c'est surtout en Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce que le public était, admettons, un peu plus libre. Est-ce qu'il y a une chanson qui a particulièrement plu là-bas? Oui, il y a des chansons qui étaient plus ou moins connues, comme par exemple Je l'aime, Le pénitencier, Quand revient la nuit. Vous avez chanté dans la langue des pays où vous étiez? Non, je sais tout juste dire merci beaucoup. En Pologne, on dit Dziękuję bardzo. En Tchécoslovaquie, on dit Dziękuję pięknie. En français, on dit merci beaucoup, Johnny. Évidemment.